beaucoup, Christelle. Alors, je fais juste mon petit truc vite fait, comme d'hab. Je me dépêche. Là. Et oh, c'est élégant. Voilà. Comment? Tu vas prendre un beignet, c'est ça? Ben, il va prendre un beignet. Vas-y, prends un beignet. Voilà, j'ai fini ma petite tambouille. Coucou, coucou. Alors les filles, quand vous arrivez, s'il vous plaît, faites-moi un petit bonjour, que je sache que vous êtes là, comme d'habitude. Comme ça, je vous fais aussi un petit bonjour. Il m'a grillé. On te voit dans le miroir. Ça te fait de la caméra. Il est en train de piquer les beignets au chocolat. Non, mais c'est honteux. Il m'en reste plus qu'un, du coup. Tu me laisses l'autre, hein? Ah, il rampe. Il rampe. Et tu l'as pas refermé, Quentin? Ah. Il arrive. On va avoir le droit au beignet au chocolat. Ah non, il prend juste une assiette. Bon. Bon, allez, on y va, les filles. Alors, les filles, donc, je disais, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Que je puisse vous répondre. Allez, va-t'en, tu m'énerves. Oui, c'est normal. Mais je regarde. Il va me perturber. Pour une fois que c'est pas le petit, bah c'est le grand. Mon petit bonhomme, il est malade. Il tousse fort. Et il a de la fièvre. C'est pas cool. Je crois que demain, il va rester au chaud à la maison avec sa maman. Et les autres petits bonhommes. Merci. Voilà. Alors les filles, aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire. Et en même temps que je vous dis tout ça, on va se faire un petit maquillage trop sympa. Alors, je vais enlever ça parce que ça me gêne du coup. Hop, on se met bien. Donc, tutututut, ça c'est le micro-ondes. On va laisser finir son petit truc. Il a mis sa capuche histoire de se cacher. Hop, mais on l'a vu. Et voilà, il est reparti. Ah, les ados, je vous jure. Bon, alors, je voulais vous dire plein de choses. Parce que, bah, on entame un nouveau mois, les filles. Coucou, Stéphanie. Tu vois mes commentaires. Alors, ça, c'est compliqué, hein. Là, je le vois, celui-là. Mais j'ai remarqué qu'on ne les voit pas tout le temps tous. Et souvent, ah, bah là, tu vois, alors... Je t'explique un truc, si je les vois tes commentaires. Juste quand, en fait, si tu veux, mon écran, il est grand comme ça. Et je vois les commentaires là, ici, là. Donc du coup, si ça va trop vite, eh ben, je les rate. Ah non, le fiancé de Wendy, il est au dodo parce qu'il est malade. Il a de la fièvre et il tousse. Je pense qu'ils vont tous l'avoir à l'école, en fait. Ils vont tous l'avoir. Donc du coup, oui, je vois vos commentaires, c'est cool. Mais je vais les laisser même comme ça. Mais en même temps, j'ai mis un deuxième écran, comme ça je triche un peu, je vois des deux côtés. Voilà, donc les filles, je voulais vous parler déjà d'une première chose. C'est le fameux kudos du mois de décembre qui est arrivé, la nouvelle promo, qui est vraiment topissime, les filles. Je crois que, d'après ce que me disent mes collègues, c'est l'un des plus beaux kudos qui puisse... Merci, ben je lui ferai un gros bisou de votre part, demain matin. J'espère que... Enfin, je lui ai dit, tu mets pas le réveil. Si tu te réveilles à 7h30, que ça va, on va à l'école. Si tu te réveilles pas, tu dors. Voilà, tant pis, pour une fois. En plus, il fait froid, il pleut, ben, on est bien au chaud. Voilà. Donc, le kudos, les filles, le kudos, cette fameuse promo. Qu'est-ce qu'on a dans le kudos ce mois-ci?
C'est un truc de dingue parce qu'en plus vous avez plein de choix. Donc on a. Alors je vais faire mon petit maquillage en même temps. Hein. Je commence par la base. Toujours la base, les filles. Toujours la base, les filles. Le fameux filtre qui vous protège de la pollution extérieure, qui vous met un bon filtre pour que votre maquillage se pose très très bien, qu'il se lisse, qu'il se répartisse, qu'il soit homogène. Alors un tout petit peu bien sûr. Hein. Donc dans ce kudos, on a. Alors au départ un eyeliner. Alors sur l'image, on vous propose toujours dans une couleur festive parce qu'évidemment ça va être les fêtes. Donc sur la promo, quand on vous met les images en général, ah peut-être, mais il y en a eu plein, hein, Stéphanie, à l'école, hein, il y en a eu plein. Je crois même que Wendy, elle l'a eu avant Clémence. C'est à qui la faute, c'est à qui? Non, mais c'est normal, les virus, ils sont là, hein, on peut pas... Hein. On n'a pas eu de froid, on n'a pas eu de... Ça va commencer, hein. C'est mieux ça que la gastro. Mon Dieu, je touche du bois. C'est un petit rhume de rien du tout. Donc je disais oui, donc le eyeliner, les filles. Il est proposé dans une couleur festive. C'est un doré métallique. Il est vraiment magnifique. Maintenant, c'est vrai que tout le monde ne peut pas le porter. Tout le monde n'aime pas le porter. Et que du coup, on vous le propose dans la couleur de votre choix. Vous n'êtes pas obligé de choisir cette couleur-là. Donc on l'a dans le catalogue, on a un beau bleu, il est magnifique. On a ce beau rouge rose qu'on va utiliser ce soir. Donc je vais essayer de vous montrer comment je pose le eyeliner à la façon des débutants. Je vais dire le eyeliner pour les nuls. Voilà, parce que pour l'instant je ne maîtrise pas encore totalement tout. On voit des trucs sublimes, hein, mais bon après il faut savoir faire quoi. J'ai une technique, ça marche pas mal. Donc on a ce fameux eyeliner. Donc il y a quatre produits dans le kudos. Donc le eyeliner. Ensuite on a un fond de teint. Ça veut dire que vous pouvez choisir soit le fond de teint liquide qu'on va mettre maintenant. Fond de teint liquide, c'est de la poudre avec de l'eau. Donc quand on l'applique, on a vraiment un teint velouté, pas de brillance. C'est pas une crème qui est toute grasse là, qui luit, qui est épaisse, qui fait grosse couche de fond de teint. C'est vraiment tout lisse, c'est vraiment tout fin, ça couvre bien malgré tout. Ils sont faciles à appliquer, ils sentent merveilleusement bon et on en utilise très très peu de quantité, donc du coup c'est très économique. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui me disent oui mais c'est bien unique, ok d'accord mais c'est cher. Alors on se retrouve en milieu de gamme, je dirais. Par rapport aux enseignes qu'on a l'habitude de côtoyer et les grandes enseignes, on se retrouve au milieu. Mais par contre, on a des produits, mais very, very, very économiques. Du coup, on en met très peu de quantité. Et du coup, au niveau du rapport qualité-prix, on se retrouve très, très bien. Donc, on le réchauffe un petit peu. Donc, en fait, dans le Qdos, vous pouvez choisir soit le fond de teint liquide, 3 à 5 gouttes, en fonction de ce que vous aimez. Moi, je mets 3 gouttes. Donc soit le fond de teint liquide, soit un fond de teint poudre. Poudre minérale, comme vous avez l'habitude d'utiliser. Personnellement, j'ai jamais utilisé les fonds de teint poudre parce que c'est exclusif, je dirais, aux peaux, je dirais mixte à sèche. Voilà. Je dis des bêtises, c'est l'inverse. Mixte à grasse. Donc du coup, moi, comme je kiffe mon fond de teint liquide, c'est vrai que je n'ai pas encore essayé la poudre. Il faudrait que je m'y mette, que j'essaye pour voir. Donc, vous voyez, c'est super simple à appliquer. On prend le pinceau, on met un tout petit peu de quantité, on vient étaler. C'est hyper rapide, hyper facile. C'est mon produit préféré de chez Younique, le fond de teint. Moi qui ne mettais jamais de fond de teint avant, je ne saurais plus m'en passer aujourd'hui. Mais vraiment, hein, je mets mon fond de teint tous les jours. Il a une bonne couvrance. Et alors, voyez, ça fait pas brillant. Ça brille pas. C'est vraiment mat, velouté. C'est super agréable à porter. C'est pas gênant du tout. On le sent pas. Et il sent super bon. Il a une belle couvrance malgré sa discrétion.
Voilà, donc ça, c'est le deuxième produit qu'on vous propose dans le Kudos. Eyeliner, teint. En troisième, on a un illuminateur que vous pouvez choisir. Alors, soit en poudre, soit en stick. Alors, les sticks sont vraiment super faciles à utiliser. C'est un gros stick. Alors moi, je ne l'ai pas encore non plus parce que moi, j'utilise l'illuminateur de ma palette à sourcils. Souvent, je vous le dis, moi, j'aime bien l'illuminateur de la palette à sourcils. Bah, c'est exactement le même qu'il y a dans les sticks. Ça vous donne, on le mettra tout à l'heure, je vous montrerai. On peut le mettre sur les pommettes, on peut le mettre au-dessus des sourcils, en dessous, sur l'arête du nez. Ça vous donne une petite brillance et ça fait des effets avec la lumière. C'est vraiment génial. L'illuminateur pour les fêtes, c'est vraiment top. Vraiment, on ne peut pas s'en passer d'illuminateur pendant les fêtes, c'est génial. Donc ça, troisième produit, donc ça fait trois déjà, trois produits. Et le quatrième, qu'est-ce qu'il nous faut pour finir notre maquillage? On a le teint, on a le eyeliner pour les yeux, on a un illuminateur et il nous manque un rouge à lèvres, les rouges à lèvres Opulence. Donc, on a toute une variété de couleurs que vous pouvez choisir. Ils sont vraiment top. Ils ont un très bon maintien. Ils s'appliquent hyper facilement. C'est vrai que des fois, il y a des rouges à lèvres qui sont difficiles à appliquer. Ils sont fort, fort secs. Là, ils sont vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Du coup, on a 4 produits dans le Kudos. Ça vous fait un make-up presque complet. Voilà, il vous manque que le mascara et vous avez un make-up complet. C'est génial. Donc tout ça, ils vous le proposent pour 85 euros. Est-ce que vous imaginez que rien qu'un fond de teint et un illuminateur, on est déjà à 85 euros? Ça veut dire que vous avez le rouge à lèvres et le eyeliner presque offert. Il faudrait faire le calcul à l'euro près, mais voilà. C'est ça, ça fait vraiment deux produits offerts. Donc vraiment, c'est un très très beau kudos. Alors c'est vrai qu'il faut savoir mettre les 85 euros, mais c'est quand même une belle promotion. Plutôt que d'acheter au compte-gouttes au prix fort, autant profiter de la promotion. Voilà. Donc ça, c'était une première chose que je voulais vous dire. Alors maintenant que j'ai mis mon teint, je vais mettre juste un peu de splurge. Donc le splurge, c'est le fard à paupières crème. Le plus simple du monde à poser puisque c'est une crème. Donc on va utiliser pour ça le pinceau pour les crèmes. Et je dirais que c'est le fard à paupières pour les nuls aussi celui-là. Ce soir c'est tout pour les nuls. Alors quand je dis pour les nuls, ça veut dire que c'est pour celles qui veulent aller vite le matin. Donc celui-ci c'est le jubilant. Donc c'est vraiment une teinte, ça va être une teinte qui va se rapprocher très très fort de ma couleur naturelle. Je le fais exprès de mettre cette couleur-là parce qu'on va mettre un eyeliner et je veux vraiment que vous puissiez bien voir comment je vais l'appliquer. Si je ne me rate pas, hein. Vous allez être indulgente avec moi les filles. Hein. Allez, on y va. Donc, le jubilant, on voit, alors dans la caméra, à mon avis, vous n'allez pas voir grand-chose. Juste, c'est sympa de le mettre pour voir comment on peut habiller l'œil. Juste avec un eyeliner. Alors avec les fards à paupières crème, ce qui est bien, c'est que on voit bien la différence quand même. Hein, vous voyez, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre de base. Hein, ok, on met pas de base avec les splurges. Voilà. On en met une très très petite quantité et voyez, c'est déjà fait. Donc le matin, quand on est pressé, hop hop hop, c'est nickel. Encore une petite couche. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire, les filles? Les filles, comme on a entamé un nouveau Kudos, eh bien, sur le groupe VIP, j'ai remis les cases. Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Mais je ne sais pas si vous imaginez les cadeaux que ça fait. Donc, j'ai remis les cases sur mon... pas que je le dise là comme ça en direct, j'ai pas le droit de le dire. Donc faites les curieuses, les filles, allez voir sur mon groupe, il y a les cases et du coup, ce qui est dans le Kudos, forcément, est en cadeau quoi. En cadeau, c'est en cadeau. Chut, je peux pas le dire. Donc,
Donc allez voir, n'hésitez pas à aller voir dans mon groupe VIP. Celles qui ne sont pas encore dans le groupe VIP, n'hésitez pas à me le demander. Je vous ajouterai. Hein, parce que bah, forcément, pour ajouter quelqu'un dans le groupe, il faut à chaque fois saisir le nom. Et c'est vrai que je ne me suis pas amusée à mettre toutes les personnes qui sont dans mes amis, dans mon groupe VIP. Donc si ça vous intéresse d'aller faire un tour sur le groupe VIP, vous me le demandez, je vous ajoute. Ok? Et profitez-en avant qu'il y ait rupture de stock. Parce que le eyeliner brillant là, vous savez, le beau eyeliner brillant là, il est en édition limitée. Donc ne faites pas comme avec le mascara violet, n'attendez pas la dernière minute et que je sois obligée de vous dire, je suis désolée, on n'en a plus. Voilà, donc foncez les filles, s'il vous intéresse, n'attendez pas. En plus là ça va être au taquet parce que les fêtes vont vite arriver. On n'est pas sur un mois complet, les fêtes ça commence le 24, donc ça va aller très très vite, c'est maintenant qu'il faut l'acheter. Voilà, voilà pour le fond de teint crème. Alors, le fond de teint crème, n'importe quoi, le fard à paupières crème. Bon, il est vraiment très discret celui-ci, hein. Coucou Chantal! C'est vraiment pour vous montrer comment on va poser le eyeliner. Alors, on va faire les sourcils. Parce que ça, c'est très important sur un make-up, le sourcil. On ne pense pas toujours à le faire. Comme ça, je vous montre en même temps l'illuminateur, le fameux illuminateur. Donc là, on a les couleurs, clair et foncé. La palette existe pour trois types. Donc les blondes, les châtains et les brunes. Voilà. Celle-ci, c'est celle pour les blondes. Ensuite, ici, on a une cire pour fixer le poil, pour éviter qu'il se redresse, etc. Pour maintenir aussi la couleur qu'on va mettre. Et ça, ce sont deux illuminateurs. Un brillant, donc le fameux illuminateur dont je vous parlais en stick. Il existe dans plein de couleurs. Et le mat. Voilà, il est pas mal aussi celui-là. Alors là, je vais mettre cette couleur-là sur mes sourcils. Donc je vais d'abord commencer par hop, le peigner. Et je ne vais pas redessiner quoi que ce soit. Je vais juste poser la couleur sur mon sourcil qui est déjà bien, bien épilé. Bien dessiné, je dirais. Voilà. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Mais vous allez voir la différence entre les deux tout de suite, en fait. Ça se voit direct. Comment vous allez, les filles, aujourd'hui? On a eu un temps pourri ici aujourd'hui. J'en ai marre, j'aime pas la pluie. Il peut faire froid, il peut faire tout ce que vous voulez, mais la pluie. Voilà, voyez. Donc là, j'ai juste mis la couleur claire. Donc on voit déjà la différence. On va donner un petit coup de peigne pour estomper tout ça. Bah ça va, Christelle. À part mon petit bonhomme là qui est malade. Et puis ce temps. Quand on pense que la semaine prochaine c'est déjà Saint-Nicolas et que du coup bah après on va vite enchaîner avec les fêtes de Noël, et ben qu'est-ce que ça passe vite. Il n'y a pas très longtemps on était encore à la rentrée des classes. C'est fou. Voilà, est-ce que vous voyez, on voit bien la différence, hein. Ça finit un maquillage, hein, les sourcils. Donc, chose dite, j'ai parlé du groupe VIP, les filles. Où j'ai mis mes fameuses cases. N'hésitez pas, hein. Même celles qui sont loin, hein, moi j'envoie le cadeau, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui se passe avec la lumière? Ah voilà. J'envoie le cadeau par courrier, il n'y a pas de souci. Vous pouvez régler par PayPal aussi, hein. Donc, n'hésitez pas, hein, ne vous dites pas, bah oui, mais moi je suis loin, je peux pas. Si, si. N'importe qui peut jouer. Je gère après derrière moi. Voilà. C'est quand je me rapproche de l'écran qu'il y a une variance de couleur. Voilà. Vous voyez? Sympatoche, hein? Alors, j'avais une troisième chose hyper, hyper importante à vous dire, les filles. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais ce mois-ci,
Pour les hôtesses, c'est-à-dire les personnes qui organisent un atelier, donc soit en vrai chez elles, soit en virtuel, c'est-à-dire avec moi, j'expliquerai tout à l'heure comment ça se passe. Les personnes qui organisent un atelier et qui arrivent à réunir 200 PRS, 200 PRS équivaut à 230 euros, elles ont le droit à un super cadeau. Mais alors là, franchement, moi, j'ai halluciné. Elles ont le droit à 4 pinceaux. Donc, de ces 4 pinceaux, moi, pour l'instant, j'en ai que 3. Donc, vous imaginez, vous allez avoir les pinceaux avant moi, à 4 pinceaux et un spray désinfectant. Alors que j'ai pas. J'en ai un là, mais. Bon, c'est un spray, hein. Je vais pas tout retourner. Hein. C'est un spray pour pouvoir désinfecter vos pinceaux. Donc dedans, il y a celui que je viens d'utiliser. Je fais toujours l'inverse. Celui que je viens d'utiliser, donc pour les crèmes, le pinceau crème. Il y a le pinceau pour le creux de l'œil. Donc c'est celui pour l'intérieur quand on veut faire des dégradés. Et il y a le pinceau poudre. Bah, celui qu'on utilise tout le temps en fait, hein, pour mettre la poudre en fait. Et il y en a un autre qui me semble est le même que celui-ci, mais avec deux embouts. Il y a un embout beaucoup plus fin. Un embout, il me semble, à liner, mais j'ai peur de dire une bêtise. Voilà. Quatre pinceaux pour celles qui organisent un atelier, les filles. C'est quand même un fameux cadeau. Alors, vous allez vous dire, oui, mais moi je suis loin, j'aimerais bien, mais Valérie, elle va pas venir jusque chez moi. C'est vrai. Surtout en ce moment, c'est compliqué. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut réaliser des ateliers virtuels, les filles. Alors, les ateliers virtuels, comment ça se passe? Vous allez... On va ensemble, donc la personne qui fait l'atelier et moi, ouvrir un groupe que vous nommerez comme vous l'entendrez si vous voulez faire un atelier virtuel. Dans ce groupe, vous allez y inviter les personnes. Les personnes que vous pensez qui seraient intéressées par les produits ioniques. Et puis, moi, dans ce groupe, je dirais, alors, une réunion virtuelle, ça dure 10 jours. Donc, pendant 10 jours, sur ce groupe, moi, je viendrai faire des petits lives en montrant les produits que les personnes aimeraient voir, aimeraient connaître, aimeraient découvrir. Donc, vous voyez avec elle ce qu'elle voudrait voir, ou même l'hôtesse, hein, ce qu'elle voudrait découvrir. Je fais des petits lives sur ce groupe et voilà. Et ça permet en fait à vos clientes de voir et de connaître les produits. C'est ce qu'on appelle un atelier virtuel. Pendant 10 jours, les personnes vont pouvoir commander sur le site, sur votre réception, bien sûr. Et donc, vous allez cumuler les points. Et quand vous aurez atteint les 200 points, vous aurez gagné vos pinceaux. Mais vous aurez gagné aussi 10% de la valeur que vous aurez réussi à réunir, donc de la somme que vous aurez réussi à réunir, vous gagnerez 10% en cadeau. C'est quand même assez sympa, hein? Ben oui. Voilà. Donc, celles qui s'intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé et puis à la rigueur, on se passe un petit coup de fil pour s'expliquer exactement comment ça marche ou en message privé, je vous explique. Ok? Parce que je trouve quand même que le cadeau, il est sympa. Voilà. Voilà pour les réunions virtuelles. C'est quoi ça? Ah oui, j'ai ça aussi à dire. Alors, on va mettre le eyeliner, les filles, ok? Je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Enfin, je vais vous montrer. Je vais vous expliquer un petit peu mon astuce. Donc, les eyeliners, on les secoue bien, vous entendez? Il y a une petite bille à l'intérieur qui fait que ça mélange bien l'encre. Donc, les eyeliners chez Yonic, ça se présente comme ça. C'est un petit pinceau tout fin. Donc, celui-ci, moi, c'est le rouge, hein, parce que le noir, je ne l'ai pas encore. C'est pour ça que j'ai mis du jubilant sur l'œil pour que vous voyez bien la différence. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit pinceau comme ça et on va venir coucher le cil vers le bas pour pas qu'il nous embête. Voilà. L'inverse, on ne le monte pas, on le baisse. Ok? On prend le eyeliner. Si je le mets à l'envers, ça va faire des catastrophes. Et alors, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne.
Donc vous allez baisser l'œil. Alors vous ne fermez pas l'œil, hein, parce qu'il faut voir clair quand même. Si on ne voit pas, on ne peut rien faire. Donc vous baissez l'œil et vous allez venir faire un petit point à la fin, ici, là, au coin, vraiment au coin. Alors je vais baisser mes cils avec mon doigt. Voilà. Juste un petit point ici, au coin. D'accord? Là, j'ai fait un point. Et je vais en fait poursuivre juste poursuivre le dessin de mon œil, la forme, l'endroit où il va. Vous voyez, ça fait zoom comme ça. Et là, je vais juste le continuer un tout petit peu. Alors, pas en faisant un trait, juste en posant mon eyeliner. Donc, vous posez le coude sur la table pour pas, vous voyez, vraiment pour être bien, bien, bien fixe. Et vous allez venir, alors, je vais tirer mon œil. Et vous allez venir finir, vous voyez là, vous allez bien le voir, j'espère. Alors, c'est pas évident entre l'écran et le téléphone. Vous allez venir juste poursuivre, vous voyez, l'œil, le trait de l'œil. Et on va faire un tout petit trait très fin, ok? Après, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir joindre tout ça au centre de l'œil, au milieu là, juste au milieu. Donc, on prend son eyeliner, on vient au milieu de l'œil et on vient rejoindre le trait là, on le prend au milieu et on vient rejoindre le trait qu'on a fait. Ok? Après, on viendra l'affiner au bout, hein. J'ai toujours ces cils là qui m'embêtent quand je le fais. Voilà, vous voyez, donc là on a un beau trou, c'est pas grave, on va venir le mettre en couleur après. Donc là, on a fait son trait, c'est nickel. Et maintenant, on va venir. Alors après, ça c'est vous qui voyez si vous voulez aller jusqu'au bout ou l'épaisseur que vous voulez faire, etc. Mais là déjà, on a fait le plus gros. Donc après, on vient. Moi en général, je vais jusqu'au fond. J'espère que vous voyez en fait, parce que j'ai l'impression que. Dites-moi les filles, est-ce que vous voyez? Donc moi je viens jusque-là, mais du coup je descends à l'intérieur de l'œil. Ok, et là on va faire des tout petits traits. Limite on pose le eyeliner au ras du cil, les filles. Au ras du cil. Vous voyez, on est vraiment à ras du cil. Ok, et là. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre en couleur. C'est ça, c'est du dessin, les filles. Alors, moi, je vais faire ma petite pointe tout de suite, là, comme ça. Très fine. Alors, je vais remettre du produit parce que ça a tendance à vite sécher. C'est plus compliqué que ça n'en a l'air. C'est plus simple que ça n'a l'air d'être compliqué. Enfin, je sais pas ce que je voulais dire en fait. C'est du grand n'importe quoi ce que je viens de faire. Donc là, hop, un tout petit trait. Voilà. Comme ça, il reste bien fin. C'est le plus difficile à faire en fait. C'est la pointe au bout. Et maintenant, on va colorier. Donc, hop, on remplit. Voilà. Donc là, votre trait d'eyeliner, il est fait. Après, c'est vous qui gérez l'épaisseur, les filles. Donc là, je vois que moi, ici, je vais aller encore un plus à l'intérieur. Et après, quand vous allez mettre votre mascara, vous allez voir que bah, c'est nickel. Donc après, si vous voulez faire plus épais, bah, vous faites plus épais. Voyez, regardez, je vais vous montrer. On se poursuit. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si vous voyez bien dans l'écran, mais il est très bien fait. Et après la pointe, bah ça s'apprend. Hein, pour la rendre fine, savoir si on veut la monter plus ou la monter moins. Ou ça, c'est vraiment. Est-ce que vous voyez les filles? Est-ce que vous. Voilà. Là, on a vraiment un trait. Je vais faire qu'un œil, comme ça vous verrez bien la différence. Ok?
Après, on peut passer aussi le eyeliner vers le bas. Ça, pour l'instant, je ne maîtrise pas. Après, il y a plein de choses sympas. On peut faire deux traits ici. Un très fin qui remonte, un très fin qui... juste à côté. Il y a 10 000 façons de poser son eyeliner. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez bien poser votre coude sur la table. Déjà, parce que si vous êtes comme ça, alors là, vous n'allez jamais savoir faire un trait droit. Donc, vous posez bien votre coude sur la table. Et n'hésitez pas, si vous avez peur de faire des traits, bah, vous posez juste le long de votre sourcil, comme ça. Voilà. Donc là, on va mettre le mascara, comme ça vous allez voir. Et alors, ce qui est sympa de faire, coucou les divines, ce que vous pouvez faire aussi, du coup, c'est mettre un coup de crayon en dessous. Alors, là, je vais prendre un crayon qui est à peu près assorti au eyeliner que j'ai mis. Et je vais mettre un coup de crayon en dessous en le liant bien à mon eyeliner. Bah, en fait, Stéphanie, c'est comme je te disais, c'est qu'il faut s'entraîner. Et puis ça, c'est ma façon à moi de faire, hein. Vous allez regarder des tutos, il y a plein de tutos sur la façon de poser le eyeliner. Ça, c'est vraiment la technique pour les nuls, quoi. Il y a des filles, elles prennent leur truc, zzz, hop, elles font un trait, c'est fait direct. Mais c'est, il faut faire, refaire, 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 réessayer. Ça, c'est toutes les choses de la vie. Avant de les maîtriser, eh ben, il faut essayer. C'est pas inné, il n'y a rien d'inné, hein. Tout s'apprend. Et s'il y a bien une chose que j'ai horreur d'entendre, c'est je n'y arriverai jamais. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas essayé et essayé et essayé. Quand on essaye, à la fin, on y arrive. Vous avez vu, j'ai pas mis longtemps hein, pour le faire, ça a été très vite. Hein. Donc là, moi, je mets le crayon qui est presque assorti au eyeliner et je vais venir l'estomper. Alors, j'aime pas parce que là, il y en a qui s'est mis à l'intérieur. Je remettrai du blanc pour éclaircir l'œil. Je vais l'estomper avec mon pinceau là. Alors, les crayons, ils sont super parce que ils sont tellement gras qu'on fait vraiment ce qu'on veut avec. À l'intérieur, on va mettre du blanc après pour ouvrir l'œil parce que là je suis en train de le fermer. Voilà, hop, et je vais prendre un crayon blanc pour éclairer tout ça. Alors, le crayon blanc là, je le mets vraiment à l'intérieur, hein. Je vais l'estomper ici. Voilà, voyez, ça ouvre l'œil. Et maintenant, on va mettre le mascara. Alors, les mascaras, je vous rappelle, les filles, hein, on ne fait pas des allers-et-vient comme ça avec, parce qu'on fait rentrer l'air à l'intérieur du tube. Et du coup, ça va faire sécher votre mascara. Alors, les mascaras ioniques, je le dis, je le redis, je le re-redis. Je les adore parce qu'ils vous font des cils très fins, sans paquet. Il est super facile à appliquer. Il allonge très bien les cils. Je ne sais pas si vous voyez. Et moi, j'en mets toujours un petit peu en bas. Alors ça, c'est pas une obligation, encore une fois, chacun fait comme il aime faire. Mais moi, je trouve ça joli. Voilà. Vous voyez, c'était pas dur en fait, hein, de faire ce trait de eyeliner. Le mascara, c'est pareil, vous le prenez bien à la racine et vous donnez la forme du cil en le remontant et en essayant de le courber sans toucher la paupière. Ça, c'est pareil, c'est à force de faire et de refaire. Voilà, alors là on voit bien la différence entre les deux yeux, hein. C'est ouh, c'est sympa, hein. Vous voyez, c'était pas compliqué de le faire, hein, franchement. Après, on peut le faire descendre jusqu'en bas. Il y a des personnes qui font descendre jusqu'en bas et le font revenir comme ça. Pff,
Il y a plein de techniques différentes. J'essaierai d'en faire d'autres, comme ça je pourrai vous montrer. Mais voilà. Alors après, voilà. Vous voyez, le matin, on n'a pas trop le temps. Hop, on met un peu de crème, un trait de eyeliner et on a un maquillage qui est quand même sympa. Ça fait même bizarre. Vous voyez comme ça agrandit l'œil? Celui-ci, il a l'air tout petit. C'est incroyable. Est-ce que vous le voyez? Cet œil-là, il a l'air tout riquiqui à côté de l'autre. C'est marrant, hein? C'est rigolo. C'est trop rigolo. Hein? Bon, arrête Valérie. Alors, ça c'est moi. On va mettre un petit peu de blush pour finir un peu le maquillage. Alors vous imaginez avec le eyeliner doré métallique comme ça doit être joli au moment des fêtes. C'est joli, j'aime bien aussi. Alors, donc j'ai parlé du kudos, j'ai parlé des cases qui sont sur le groupe. Les filles, n'oubliez pas les cases. Elles sont de retour avec des très très beaux cadeaux. Mais vraiment, alors franchement, celui qui va gagner le fond de teint. Mais il va falloir s'entraîner plusieurs fois par jour. Bah écoute, non, franchement, Ludivine, j'ai dû le faire. La première fois, c'était la catastrophe. J'avoue, la catastrophe. Ouais, c'était n'importe quoi. La deuxième fois, c'est déjà été un petit peu mieux, mais j'arrivais pas trop à relier, en fait, à faire un trait droit. Mais c'est parce que j'avais tendance à fermer complètement l'œil. Vraiment, il faut pas fermer l'œil, en fait. Il faut le laisser ouvert, vous tirez un peu comme ça pour avoir la paupière bien, bien alignée. Et puis après, ça va tout seul en fait. Et puis surtout, je pense que c'est ça surtout le plus traître quand on le fait, c'est la peur. C'est incroyable, mon œil là, il est tout petit à côté de celui-là. C'est la peur, c'est que quand on a peur, on a tendance à trembler ou à pas avoir un geste franc. Et c'est là qu'on se rate en fait. Donc il faut la confiance. Donc c'est à force de faire forcément que vient la confiance. Voilà. Mais non, non, pas plusieurs fois par jour. T'imagines? Voilà. Alors, je voulais vous montrer aussi de nouveau le fameux illuminateur, puisqu'il est aussi dans le kudos du mois, l'illuminateur. Donc, je le prends ici. Alors, celui-ci, il est teinté. Il y en a un blanc qui est magnifique. Alors, vous voyez là, mon nez, il est presque mat. Mais ça, c'est ma brillance naturelle. Et puis, c'est la lumière. Je vais mettre l'illuminateur et vous allez voir ce que ça donne. C'est vraiment, moi j'adore, surtout sur le bout du nez. Et surtout quand on est en soirée, en fonction de la lumière qu'il y a dans la pièce, ça fait une brillance. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir. Ça fait une brillance sèche. Ça fait pas comme si c'était gras, quoi. C'est juste magnifique. Moi j'adore. On peut en mettre aussi ici, sur les paupières. Juste au-dessus, comme ça, un petit trait. Et pareil, je ne sais pas si vous... Si on le voit un peu, regardez. Vous voyez cette petite brillance que ça fait? C'est méga joli. Moi, j'adore. Ça finit le maquillage, en fait. Ça fait la petite différence. Là, on le voit bien. Hein? C'est joli, hein? Alors on peut mettre ici, on peut mettre là et on peut mettre au-dessus des sourcils comme ça. Là, je ne sais pas si vous allez savoir le voir au-dessus du sourcil. Comme la lumière est différente. Et ça, mais vraiment, mais ça termine le maquillage, surtout quand on sort, c'est super joli. On peut en mettre aussi juste au-dessus des lèvres ici quand on a mis son rouge à lèvres. Alors je vais vous montrer le rouge à lèvres Opulence. Donc le thème c'était quand même le eyeliner, hein, les filles. Au final on a fait le teint, on a fait l'illuminateur et on va faire le fameux rouge à lèvres aussi qui est dans le kudos. Alors moi je les trouve super parce que ces rouges à lèvres, comment vous dire, ils sont, je vais pas dire gras parce que c'est pas ça le terme,
Ils sont hyper faciles à appliquer. On met juste une couche comme ça et notre rouge à lèvres est placé. Ils sont hydratants, donc ils ne dessèchent pas les lèvres. Vous voyez, donc ça, c'est la couleur. Alors, je l'aime beaucoup celui-ci. C'est la couleur. C'est non. Swanky. Un truc comme ça. Swanky. Voilà, donc je vous montre. Bah, c'est un rouge à lèvres, hein, mais il est vraiment facile à appliquer. Ils ont une très bonne tenue en fait. Pas de transfert. Voilà. On se fait le petit bisou. Et on vient finir de dessiner là où il y a besoin. Mais voyez, j'aurais même pas à en remettre normalement. Alors ici. Voilà. Donc là déjà, il est très bien. Il est très joli celui-ci. Je l'aime beaucoup. Après, si vous voulez foncer ou mettre, ouais, mettre plusieurs couches, vous pouvez. Mais celui-là, cette couleur, je la trouve très belle. Je sais pas quelle couleur vous voyez en fait dans le miroir. Il est un peu marron, mais marron. Ouais, il est satiné. Il y a une petite brillance. Voilà. Et je trouve que ça passe pas mal avec le eyeliner qu'on a mis là. Sympa? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est fou, hein? C'est fou comme il est tout petit, lui, à côté de l'autre. Vous voyez, quand je vous dis, quand vous mettez trop de foncé, on a mis du blanc à l'intérieur et du coup, ça a de nouveau ouvert l'œil. Alors, vous allez tester, les filles? Je veux que vous me disiez si vous allez tester. Et je veux savoir, quand vous aurez testé, si ça a marché. Je suis sûre que ça va marcher. On pose bien le coude comme ça. D'accord? Est-ce que j'ai oublié quelque chose, les filles? On va pas faire le contouring ce soir. Non, on est bien là. C'est bien. Ouais, c'est sympa. Vous voyez, c'était pas compliqué, hein? Alors, après, oui, non, ça on le fera un autre jour. Je ne veux pas tout vous dire ce soir. Donc, du coup, n'oubliez pas aussi, les filles, sur ma page pro. J'avais fait une publication avec. J'aurais dû y aller. Avec. Eh ben, je vais faire ça. Tac. Tac. Voilà. J'avais fait une publication avec une box cadeau, les filles. Vous vous rappelez? Je suis sûre que vous vous rappelez. Donc, cette box cadeau. Il faut que je la retrouve. Il faut que mon PC veuille bien y aller. Le wifi ici, c'est l'horreur. Bon, il va pas y aller. Bref. Donc, j'ai créé une box cadeau. Dans cette box cadeau, j'avais annoncé que quand une cliente achetait pour 30 euros d'achat, achetait pour 30 euros d'achat, c'est le français de Valérie. Donc, que cette personne pouvait participer à un tirage au sort pour gagner une box surprise et qu'à l'intérieur il y aurait une valeur de 50 euros de produits. J'avais dit que ce serait selon le nombre de personnes. Donc je vous le dis là en live et peut-être que j'essaierai de faire un texte pour expliquer ça. Donc la valeur de cette box va augmenter puisque les filles sont déjà 10. Donc j'avais dit qu'en fonction de la valeur le nombre de personnes, la valeur augmenterait. Donc la valeur va forcément augmenter. Donc il y aura plus que 50 euros dans cette box. Je ferai le calcul et je le remettrai sur la publication. Et alors surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai dit que c'était 30 euros d'achat, ça voulait dire que forcément une personne qui va acheter pour 30 euros et une personne qui va acheter pour 60 euros, c'est pas très équitable. Donc celle qui aura acheté pour 60 euros, elle aura droit à deux numéros pour ce tirage au sort. Ok? Etc. Etc. Toutes par tranche de 30 euros, un numéro. Ça va? J'espère que c'était clair. Je crois que moi-même, je ne me suis pas comprise. comment vous dire, hein? Voilà, celle qui achète pour 30 euros, elle aura un numéro pour le tirage au sort.
Celle qui aura acheté pour 60 euros, elle aura deux numéros pour le tirage au sort. Donc deux chances au lieu d'une. Voilà, en gros, c'était ça. Je pense que vous avez compris, les filles. Voilà. Donc du coup, voilà. Les filles, n'attendez pas trop longtemps pour le kudos. Vous le savez, tous les mois, c'est la même chose. Les couleurs limitées, etc., ça va à une vitesse incroyable. Surtout là, c'est les fêtes, ça va aller très très vite. Donc n'attendez pas. Alors, je sais qu'il y a plein de filles qui ont déjà le fond de teint et qui vont me dire, oui, mais bah, il est bientôt kudos, mais moi j'ai déjà le fond de teint. Bah oui, mais les filles, dites-vous que votre fond de teint, il va à un moment donné, il va être vide. Donc profitez de la promo pour faire votre petit stock. Un deuxième, c'est pas perdu, ça va, vous l'aurez en stock et vous l'aurez eu en promo. Et puis n'oubliez pas que c'est bientôt les fêtes, donc vous pouvez faire des cadeaux, les filles. Parlez-en à votre entourage, les sœurs, les cousines, les mamies, les mamans, voilà. Et vous pouvez faire des cadeaux, c'est sympa. En sachant que vous pouvez changer si la couleur ne convient pas. Et en sachant aussi que moi, j'ai des petits échantillons à la maison. Donc, si vous en voulez, n'hésitez pas à me demander. Et les personnes peuvent essayer. Voilà. Sur ce, je crois que ce soir, j'ai tout dit. Si vous avez des questions, les filles, vous pouvez me les poser. S'il y a des choses aussi que vous voulez voir en live, dites-le moi. Ça me donnera en plus des idées de live. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne sait plus trop ce qu'on va faire. J'avais dit aussi qu'on ferait un quiz. Alors, on verra demain soir comment est Tom. Si Tom est bien demain soir, on fera le quiz demain soir. S'il n'est pas bien, on verra ça la semaine prochaine. Mais bon, c'est vrai qu'après, on va vite arriver au fait. Donc, faudrait le faire. Voilà. Je crois que c'est tout. Du coup, j'ai pas réussi à revenir sur ma page, je sais pas pourquoi. Ça bidouille. Donc les filles, surtout, vous pouvez partager mes vidéos si vous voulez. Ça me fera un peu de pub, ça sera sympa. Si vous regardez en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Et puis surtout, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à la page et à aimer ma page. Voilà. Je vous fais des gros bisous, sans transfert. Il est beau, hein, je l'aime bien celui-là. Mais c'est pareil, hein, c'est le rouge à lèvres au choix, hein. Il y a plein de couleurs. Et il est assez agréable à porter. Voilà, et je vais essayer de faire une photo. Oh, il est beau l'illuminateur, je l'adore. Vous le voyez là, briller comme ça là. C'est joli. J'aime bien. Allez, je vous dis au revoir. Peut-être à demain avec Tom, on verra. Je vous tiens au courant. Bonne soirée.